Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. David Beckham, attention pour mener au score peut-être. Goal, 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 goal. La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Ils prennent l'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Ouais, c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Oh, attention à ce ballon. Ouais, très bonne intervention là. Oh, ça fait but. Coup sur coup. Et ça fait maintenant deux longueurs d'avance. Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Ouais, bonne intervention. Et oui, elle est bonne cette passe. Ah, le ballon intéressant. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. Le ballon s'envole, on le revoit et il vient frôler, presque caresser la barre transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement validé par la vue. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est passé. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Oh, ça peut aller au but. À nouvelle occasion ici. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Et oui, vamos. Le voilà, son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. À lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Ah, c'est un match à sens unique. Cette équipe est vraiment au-dessus de l'eau. Le tab... Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Et oui, quel match, quel succès. La victoire se laisse séduire par le talent. C'est le plus beau des spectacles. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu.
William Carvalho. Choupo-Moting. La place pour tenter sa chance. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Dépossédé du ballon. Ballon rendu à l'adversaire. À cette séquence peut s'avérer l'occasion de prendre l'avantage. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti. Pour le concours contre les minutes, le talent a choisi son destin. Un face-à-face à négocier. Et l'action se poursuit. Ah oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne attaque. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Sterling reçoit le ballon. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Plus qu'une minute. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ils avaient une idée agréable de leur prestation aujourd'hui.
Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps, donc le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Et l'équipe de France en approche. Attention pour mener au score peut-être. Ah non, cette occasion était trop belle pour être vraie. Il y a hors-jeu qui est signalé. Ah, la perte de balle du PSG. Le ballon pour Ronaldo. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. C'est reparti dans cette rencontre. Paris est mené d'un but. Cristiano Ronaldo dans la surface. Oh là 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 là, et à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Très bonne intervention. Super, une grosse opportunité, attention. Oh, le but de Raheem Sterling. Le but, le ballon, et Sterling. Tout ça s'est mis en connexion et a donné du bonheur au filet. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est sanctuaire. Et voilà encore une fois, tout le but est dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Ronaldo. Ah oui, l'excellent ballon. En bonne position pour frapper. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles. Il faut aussi appeler le russe. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Ouais, le contact sans faute. La passe en retrait. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Et duel remporté, il va pouvoir relancer. Ça joue derrière. La conclusion peut-être sur ce ballon. Beaucoup de lucidité sur ce ballon très bien placé. Et je sais que ça vous plaît. Du grand art, mais le but manqué. Léo Messi. Excellente intervention pour le gardien. Et le ballon indique le temps additionnel, une petite minute. Avec une bonne progression dans le camp adverse. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la main. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match. C'est tout ça qui leur a permis de gagner.
Et c'est reparti, la deuxième mi-temps, donc le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Et le face-à-face à venir. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et ballon bien récupéré par Beckham. Ah, il s'est bien joué dans la profondeur. Ah, c'est un bon ballon, ça. Ah, il y a encore danger. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués, et ce n'est pas fini. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et pour finir, la conclusion de la tête, du début à la fin, c'est une action magnifique. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et bien fait, attention à l'occasion. Et il y a encore le feu. Oh là 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 là, ça s'enchaîne et ça fait une différence de 3 buts maintenant. Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Et le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Un face-à-face à négocier. Oh, attention! Et oui, le but! Splendide! Ça y est, le hat-trick s'est fait! Un ballon en plus! Pour sa connexion, un ballon qu'il va emporter chez lui. Voilà son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Attention, très bonne occasion. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et peut-être l'occasion de marquer. Le ballon est dévié, c'est donc un corner signalé. Ah, ce ballon dévié sort, corner à suivre. Nouveau corner à jouer. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Eh oui, le bon réflexe. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Oh, l'interception très haut sur le terrain. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Sans faute, c'est récupéré. Ouais, joli passe lobé, attention. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Et voilà, on en reste là, c'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match. C'est tout ça qui leur a permis de gagner.